Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Rennes qui déco et nous commençons cette semaine avec le 19e épisode de Kingdom Hearts Chain of Memories. Dans l'épisode précédent, nous avions fini Castle Oblivion, nous avions tué Maléfique. D'ailleurs, en parlant de ça, que vaut sa carte ? Carte, jeu modifié, les versions sans cœur. Qu'est-ce que ça fait Maléfique Dragon ? Renforce les cartes attaques au détriment du rechargement. Mouais, non, pas intéressant. Et donc, nous étions ensuite arrivés dans la forêt des rêves bleus. Oh, nice. Et nous avions, bah, évidemment, un Winnie l'ourson, Monsieur Sanders, qui a perdu ses amis, et voilà. Bon, comme d'habitude. Alors, nous devons chercher les amis de Winnie. Et voilà, on casse tout. Oh, c'est sympa, ils ont fait un effet différent sur les points Mog, enfin sur la police de caractère à côté de... qui nous indique les points Mog. C'est sympathique. Eh bien, donc nous continuons. Nous avions déjà retrouvé Porcinet. Là, nous arrivons chez Coco Lapin. Carrots, cabbage, pumpkins. C'est écrit avec des fautes. Quel vandale ce sera. Ouh. Bon, ça va être une zone un peu reposante, je pense. J'aime beaucoup l'écriture, merde. Attention! Parfait. Il aurait au moins pu foutre un coup de Keyblade, quoi. J'ai eu chaud. Ça va, Winnie? Alors, oh là là, ouf, j'en suis bien sorti. Ça va sinon, toi, tu t'es un peu fait défoncer. Oui, je crois. Je lui fais la voix du père Fouras. D'où est sortie cette citrouille? Youhou! Ça, c'est Tigrou. Ah non. Coco Lapin! Je ne sais absolument pas la voix de Coco Lapin, donc on va lui faire une voix plutôt classique. Oh, comme vous tombez bien. Jeune homme, pourrais-tu m'aider à trier mes légumes? Ah, je pourrais lui faire une voix de paysan. Oh, je sais pas faire les voix de paysan. Cette citrouille était donc à toi. Attends. Parce que j'ai pas fini complètement de tout casser chez toi. Voilà, maintenant que j'ai tout cassé, je veux bien t'aider. Winnie me suit à la trace. Alors, que t'arrive-t-il? Vous voulez aider Coco Lapin pour le tri? Non, sans problème. Le but, c'est de faire le jeu, quand même. Panique potagère, trier 30 choux et citrouilles au total. Lorsque vous voyez triangle, frappez les légumes en lançant la Keyblade. Astuce. Placez les choux à gauche avec carré, et les citrouilles à droite avec rond. Chou à gauche, citrouille à droite. Chou à gauche, citrouille à droite. Le compteur d'erreur démarre à 6. Une fois à 0, la partie s'achève. D'accord. Ok. Chou à gauche, citrouille à droite. Chou à gauche, citrouille à droite. Chou à gauche, citrouille à droite. Ça commence bien. Bon, ça va pour l'instant, ça se passe bien. Winnie, qu'est-ce que tu fous ?
Une utilisation optimale de la Keyblade. Je rappelle que c'est une arme qui... What? Qu'est-ce que c'est ça? Aïe. Aïe. Ah! Mais j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse avec les Car Watch. Je rappelle que c'est une arme qui est censée tuer des ennemis. Con de Winnie quoi, sérieux. Ah mais en fait ça s'arrête jamais jusqu'à ce qu'on fasse le nombre d'erreurs indiquées. Je pense. Ah ça va être long. Je sais pas si on a une récompense si jamais on fait aïe. Si jamais on fait aïe. Non. Ah. Je sais pas comment me démerder avec ces trucs. Voilà, ça s'accélère un peu. Merde. Oh la vache. Voilà, j'ai fait n'importe quoi là. Sur la fin, il y a eu la panique de l'autre crétin qui danse au milieu de la piste. Merci pour ton aide, voilà pour toi. C'est n'importe quoi. Cross, c'est slash plus. Cloud se téléporte derrière un ennemi et utilise cross slash. Cloud plus top plus carte attaque. Mouais. Étant donné que j'ai pas beaucoup de cartes cloud, ça peut être intéressant, mais cross slash quoi. Ouais, je sais pas, faudra voir. Bon. Mais alors du coup, est-ce que Porcine aussi avait un mini-jeu à lui ou pas? Je me demande à quoi servent ces ballons. Moi je sais, ça va être pour soulever Winnie. Alors, attends, fouillons. Non, sans déconner, y'a rien. Bon. Voulez-vous voler avec les ballons? Ça a l'air risqué ou ça a l'air marrant? On va s'éclater! Bah oui, c'est des ballons en baudruche. On va s'éclater. Atteignez la cime tout en récupérant des pièces. Lorsqu'il vous reste moins de 3 ballons, vous pouvez en prendre un nouveau. D'accord. Astuce, donc appuyez sur rond pour monter dans les airs. Un ballon éclate au contact des branches ou d'abeilles. La partie s'achève si vous n'avez plus de ballons. Ok. D'accord, ok, je comprends le principe. Ah, shit. Nah. Nah. Putain, c'est chaud. C'est bâtard ça. Hop, 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 on va attendre que les abeilles passent. Bon, ça va que les abeilles ne nous visent pas spécialement en fait, elles font un pattern. Yeah. Elles font un pattern spécifique. Donc là on n'est même pas à la moitié encore du.
Hop, 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 hop. Ok, donc là, pour l'instant, ça passe. Bon, là, tu me diras, il y a quand même encore pas mal de ballons, hein, mais... Ah! Ils sont pas trop avares en ballon, donc... Oh merde, putain, je les avais pas vus, elles. Alors, là, faut que j'aille récupérer... une balloon, sinon I am in the baboon. Ok, donc là, en fait, maintenant, elles patrouillent en transversal, les abeilles. Ça, c'est pas cool. Ouf. Attends, déjà, en bas, doit y en avoir un. Voilà. Alors, maintenant. Doucement, doucement. Monte pas trop vite non plus. Ok, donc là c'est bon, ça passe. Putain, là, font un chassé croisé, ça fait chier. Yep là. Inutile de dire qu'il y a une putain d'inertie à la con, hein. Et merde. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Là. Là, ici, ça passe. Peut-être plutôt aller par la gauche. Ouais. Il y a un ballon. C'est toujours mieux. Voilà. Hop. Ok, donc, ensuite on repart sur la droite. Parce que en bas, là. Voilà, là. Alors, j'ai vu des abeilles passer. Tu me diras, il y a un ballon à côté, donc au pire. Hop là. Esquive de maître. Attends, ça c'est une grosse, grosse pièce. Aïe. Allez. J'aurai toutes les pièces. 500. Je pense que 500 sous-entend... Voilà, que c'est le max qu'on puisse faire. Trophée obtenu, barreur. Tiens donc. Regardez qui est monté jusqu'ici. Flap, flap, flap. Tout va bien, Winnie? Oh oui, je m'amuse comme un fou, maître Hibou. Ouais. On pourrait utiliser un ballon pour chercher tes amis. Détrompe-toi, jeune poum, poum. Les ennuis ne feront que commencer lorsque tu les auras trouvés. J'ai la flemme de faire, c'est une bonne merde. Hein? Une fois que tu auras repéré tes amis, comment les rejoindras-tu? Bah en descendant. Un ballon vole au gré du vent, tu ne peux pas le diriger. Que feras-tu si tu aperçois tes amis et que le vent t'éloigne d'eux? Non, ça fait pas un hibou, arrête. Mieux vaut chercher ses amis longtemps plutôt que de les trouver sans pouvoir les rejoindre. C'est vrai, ouais. Pour retrouver quelqu'un, rien ne vaut une bonne paire de pattes. Imagine ta joie de tomber soudain sur un ami à l'endroit où tu t'y attendais le moins. Moi. C'est exactement ce que je ressens quand je tombe sur un pot de miel. C'est ça, Winnie. Continue de chercher partout. D'accord, maître Hibou, je vais faire ça. J'ai hâte de trouver ce miel. Je vais aider Winnie à trouver ses amis. Formidable, prenez ceci, ça vous aidera à aller plus vite. Ouf, éclatement, brasier X. Tirez une énorme boule de feu en l'air et faites tomber une pluie de boules de feu plus petite sur une large zone. Brasier plus gravité. Ça peut être intéressant, ça. À voir. À voir, à voir. Parce que ce qui est bien, c'est que du coup, ça attaque de haut vers le bas, donc les ennemis volants se mangent quand même le coup, normalement. Non, ça peut être intéressant. Alors, on continue.
Évidemment qu'on tombe sur Tigroot. Je t'avais déjà calqué, mais avant, quoi. Hey, ça se dirait de faire un, de bondir avec moi? Ben... C'est-à-dire que là, comme ça, de but en blanc... Pas spécialement, mais bon, on va le faire. Allez, qu'est-ce que tu me fais, toi, comme jeu? Voulez-vous bondir avec Tigrou? Ben oui. Alors, sauter sur les mêmes souches que Tigrou, sauter 25 fois pour réussir. Ok, donc, utiliser rond, triangle, carré ou croix pour choisir la souche suivante. La partie s'achève dès que vous ratez une souche. Ah oui, quand même. Donc, je suppose qu'il faut faire croix. Ok. D'accord, c'est un jeu de Simon, quoi. Rond, triangle, rond, triangle. Donc ça va être rond, triangle, en triangle, alors je pète à chaque fois, c'est ça, et puis ouais. Et on augmente à chaque fois de 1. Triangle, croix, triangle, ok. Rond, triangle, rond, triangle, croix, triangle. Triangle, rond, triangle, croix, triangle, croix, d'accord. Rond, triangle. Rond, triangle, croix, triangle, et croix. Hello! Bon, ça va, c'est pas hyper compliqué. Triangle, croix, triangle, croix, carré, ok. Et triangle, ok. Rond, triangle, rond, triangle, croix. Triangle, croix, carré, triangle. On va encore le faire longtemps. Fait chier. Triangle, rond, triangle, croix, triangle, carré. Ah non, bah, croix, carré, triangle, rond, ok. Triangle, rond, triangle, croix. Triangle, croix, carré, triangle, et rond. Rond, triangle, croix, triangle, croix, carré, triangle, rond, et triangle. Je peux faire ça toute la nuit. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Hello. Bon, c'est bon là, ça y est, c'est fini. Ah. Ça commence à être chaud là. Triangle, rond, triangle, croix, triangle, croix, carré, triangle, rond, triangle, croix, carré, triangle. Ok. Triangle, rond, triangle, croix, triangle,
3. Carré. Triangle. Rond. Triangle. 3. Carré. Triangle. Il y a quelqu'un qui est en train de déménager son balcon. Non mais ça va, tranquille. Il y en a qui enregistrent. Triangle. 3. On va essayer d'aller jusqu'à 100. Carré. Triangle. Rond. Triangle. 3. Carré. Triangle. Rond. 3. Je sais pas si je vais y arriver là, celui-ci. Triangle. 3. Triangle. 3. Carré. Triangle. Rond. Triangle. 3. Carré. Triangle. Rond. Est-ce que c'est pas triangle là? Ah, raté, c'était croix. Non? Ah, je sais plus. Non. Bon, très honnêtement, là, je l'ai. J'ai pas fait exprès de perdre. Pas mal du tout! On a essayé de bondir comme toi, Tigrou. Vous avez réussi à me suivre? Maintenant, je peux bondir avec les plus grands. Vraiment? Alors, voyons ce que tu vas dire de ça. Waouh! Impressionnant, non? Jamais je ne... Hé, hey, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Le mieux, c'est de bondir comme on le sent. Parce que moi, je suis Tigrou, et toi, Sora. Tigrou, tu as laissé tomber quelque chose. Oh, ça, je l'ai trouvé au sommet d'un arbre quand je bondissais. Tu peux le prendre, Sora. En fait, ça m'alourdit quand je bondis. Balade confuse. Donc Bambi zigzag sur le champ de bataille, ce qui déboussole l'ennemi. Bambi attaque. Bref, rien à foutre, je n'utilise pas la déboussolance. Paf. On en est où là, des mini-jeux? Encore deux. Donc il va y avoir bourriquet. Et il manque quoi après? Du vent s'échappe de ce puits. C'est étrange. On peut rien casser. Hey! D'accord, donc c'est petit gourou là. Là, ça c'est repartir vers. Repartir vers pas par là, quoi. Wow! Ah fuck, un truc de chute libre. Il va falloir atterrir là où il y a petit gourou. Récupérer des pièces en faisant le saut de l'ange. Si vous touchez un obstacle, appuyez sur triangle pour reprendre Winnie, ou vous ne pourrez plus récupérer de pièces, d'accord? Faites une vrille avec le joystick gauche plus carré pour esquiver les obstacles et atteindre les pièces plus rapidement. Ok. Wow, ok. La 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 la. Non, ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop. La la. Oh la 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 la. Aïe, non, non. Chaud patatas! What? Mais attends, mais comment je passe ça, sérieux? Ouais. Alors, je sais pas si ça a été un très bon succès, tout ça. C'est quoi le score max 2500? Parce que j'ai pas l'impression d'en avoir loupé tant que ça, mais...
Petit gourou, que faisais-tu dans ce puits? Il n'était pas dans le puits. J'étais tellement occupé à chercher Tigrou que le vent m'a emporté et je suis tombé dedans. Tu étais coincé? Non, j'attendais Tigrou. Pour que le vent nous porte tous les deux. Si Tigrou se laisse porter par le vent ici, je serai là. Ça risque de surprendre Tigrou, pas vrai? Mais s'il ne tombait pas ici? Oui. Si Tigrou se laisse porter par le vent, peut-être qu'il bondira plus loin. Pour tout vous dire, je commençais à me sentir seul et en avoir assez de l'attendre. Pourquoi ne pas essayer de le retrouver plus tôt? Ah oui, bonne idée! Ah ouais, on en est là quand même. Oh, regardez ce que j'ai trouvé dans les buissons, tenez! Ah, méga éther. Donc on débloque les méga éther. Bien! Now what? Parce que si jamais je retourne dans le puits, je pense que ça relance le mini-jeu. Mais là, comment je fais pour repartir? Comme ça? Peut-être comme ça. Ah! Ah! Monsieur Bourriquet! Qui a perdu sa queue, évidemment. Tu sais où tu l'as perdu? Dans une pute. Je suis désolé. Oh miam, j'ai trouvé un. Je savais que si j'écoutais mon ventre, je trouverais du miel. Et sûrement énerve. C'est qui parle là? C'est Briquet? Et sûrement énerve les abeilles en leur prenant leur miel. C'est tout? Ma queue me manque terriblement. Ah, c'est le problème de beaucoup de gens. Vous voulez récupérer du miel, c'est parti, allez, de toute manière. Alors, oula. Exterminer 50 des abeilles qui attaquent Winnie. Vous pouvez utiliser des tours puissants. Tempête de miel. Ouh. Donc, attaquer les abeilles avec des cartes Keyblade, repousser-les avec des cartes Vent, et régénérer la jauge de miel avec des cartes Miel. La partie s'achève lorsque la jauge de miel de Winnie est vide. Ok. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais. Ok. Ah merde, je peux quand même faire rapprocher n'importe quoi. Bon, d'accord. Alors, moi j'aimerais savoir, Bourriquet, comment ta queue s'est retrouvée là-haut? Oh, ma pauvre tête! Merci beaucoup, Winnie. De rien, Bourriquet, mais pourquoi me remercies-tu? Parce que tu as foncé dans cet arbre et trouvé ma queue. Genre, ta queue, c'est un arbre, quoi. Non, mais ça va, les chevilles? Eh bien, j'essayais seulement d'échapper à ces abeilles et de rattraper Sora. Vous m'avez rendu un grand service. Moi aussi, j'essayais de chasser les abeilles. On ne pensait pas trouver ta queue. C'est tellement sale. Oh, c'était juste un accident alors. Évidemment, qui aurait envie de m'aider? Mais merci quand même, Winnie et Sora. De rien, Bourriquet. Voici pour vous. Pas besoin, Bourriquet, ce n'était qu'un accident. Je ne t'aime pas. Peut-être, mais c'est tombé avec ma queue. C'est donc un cadeau accidentel.
Élixir. Oh, nice. Bien. Ça ne me dit absolument pas comment on fait pour repartir. Ah, peut-être par là-bas. Donc, vu qu'on a eu le trophée pro des mini-jeux, je suppose que it is good. Sauf Carty. Nous en avons fini avec la forêt des rêves bleus. Pourquoi l'accent allemand, je n'en ai aucune idée. Peut-être que je suis un méchant tintin. Voulez-vous partir? Oui, je veux y aller. On ne peut pas aller plus loin. Demi-tour, tour! Alors Winnie, ça t'a plu de chercher nos amis ensemble? Oh oui, Sora, pour te remercier, je voudrais t'offrir ceci. Oh là là, mais tous ces cadeaux, je croule sous les cadeaux. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je crois que je vais me reposer un peu. Si seulement j'avais un pot de miel pour me tenir compagnie. Je vais devoir y aller. Où ça? Chercher mes amis. Dans ce cas, je vais t'aider à les chercher. Merci Winnie, mais il vaut mieux que tu restes dans la forêt des rêves bleus. Alors, c'est un adieu? Un au revoir. Pas du tout, je saurai toujours où te trouver. Si je n'oublie pas. Ne t'inquiète pas, Sora. Tu peux compter sur moi. Même si tu m'oublies, je me souviendrai de toi. Merci, Winnie. Et nous avons obtenu Bambino. Bonjour. Qui êtes-vous ? I am Vexen. I have come to collect your debt, Sora. A debt? Sora, do you owe something to this guy? Come on, of course not. Oh, but you do. You owe me for reuniting you with your former friend. You don't mean... Indeed, I do. I'm the one who brought Riku to you. Then... You're the one... You're the one who's been controlling him! What have you done with him? I see no need to give you information about where Riku is. After all... Why trouble you in your final hour? Alors, est-ce que j'avais bien le Aquilon? Je crois, hein. J'espère. Je ne sais plus. Eh merde! Non, si c'est bon. Putain, il est... Il a une défense de bâtard! Merde! Non! Très. Veux. Non mais... Putain la vache! Niveau plus, tu m'étonnes. On va aller à 1000 CP, c'est très bien.
As I expected, you weren't one to die very easily. As if I'd ever lose to you! I wouldn't be so sure. Did you even notice? I was delving deep into your memory as we fought. And here, look what I found. A card crafted from all the memories that are locked in the other side of your heart. Wait! Memories? In the other side? Donc, nous avons appris gel qui est glacier plus top et qui permet de geler les ennemis et attaquer, ça lui inflige plus de dégâts. Très bien. Je suis désolé, encore une fois, il y a des gamins qui gueulent. Cité du crépuscule. Hein, c'était pas la destinée machin, c'était la cité du crépuscule. Que nous n'avions pas découvert dans le premier, parce que dans le premier, elle n'y est pas, c'est un monde du 2. J'ai un mauvais pressentiment, soyons prudents. L'autre face de ton cœur ? Est-ce là que vont toutes les choses que tu oublies? Oula, j'ai eu du mal à parler un petit peu, c'est pas grave. If Sora disappears, that would mess up the organization's plans. I trust that you know what you need to do. Haven't a clue, really. Maybe you could spell it out for me. Vexen has clearly committed a treasonous act against the organization. You must eliminate the traitor. No taking that back later. A card made out of memories from the other side of your heart? Hmm, I wonder what it does. We'll find out soon enough. It's the only one we have left. No other way to move forward. Oui, c'est vrai que de toute manière, là, on n'a pas des masses le choix. Eh bien, je pense que après avoir fait le monde des rêves bleus plus ce petit combat de boss, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour du Prey et vendredi pour le deuxième épisode de la semaine de Chain of Memories, qui sera le 20e. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.